kaua tātou i te awi i rini popo i maoto tā tātou puamwahi a te okonui, me tau kai te tātou taupe lido tā tātou i te rini popo i nei. Me tā tātou mohani o iho i tō tātou taupe haika animara. Comme je vous l'annonçais ce matin, comme chaque mercredi, enfin pas chaque mercredi, tous les 15 jours, nous accueillons sur nos antennes Radio Théo Konui, notre cher taupe vétérinaire Ludo. Kauhanui Ludo, comment vas-tu? Kauhanui, Edouard, merci pour l'accueil, ça va très bien, merci, merci. Et toi, et toi, et toi? Moi? Oui? Ça va très bien, ça va très bien. À part la chaleur, le soleil de plomb qu'on a là en ces jours-ci. Donc, bon, ça va. Vaut mieux pas aller au soleil ces jours-ci. On sort le parapluie. Oui, il faut sortir le parapluie. On dit parapluie, mais parasol plutôt. Alors, okay. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours là? Alors, ces derniers jours, tout dernier jour, c'est la préparation d'un voyage vers le sud, hein, d'ici une petite quinzaine de jours. Quand j'aurai la confirmation, je m'envolerai pour Hivawa. Au cours de ce séjour, il y aura un séjour sur Fatuiva avec pas mal de demandes, donc je suis très content d'aller à la rencontre des gens par là-bas. Et oui, au tout tout temps, t'es ni popo inei hata yahana yahana yotote o yoteni no mai paotunei et au mayat me ha pepine yeti kote no ya hiva o a tia tui fatuiva no tu me anuite tau kaya pe no te haikau ti te tau ani mara, ko e ame te tau maakau te tau enana koho ani e wiwi ai. Tante, alors, le thème de ce matin, bien sûr, c'est les abeilles, encore une fois. Mm-hmm. C'est quoi notre thème Alors, on a parlé de d'où ça venait ces petites bébêtes, où est-ce qu'elles habitaient. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux composants de la société des abeilles, aux individus, aux ouvrières, à la reine et aux mâles, aux faux bourdons. On va s'intéresser un petit peu à la vie à l'intérieur de la colonie. Et tamawa tomutkaiteni popo inei mete me hakaite ia ukai hoa te tikau e manini ati im te manini tikau e wa oko tato mihia mai tene tau tikau e manini e isi ato ato noho e te ato hakatu e tene a e te kau tato koto ato pu e ia toto ato mahinho ia e te tau Hakatu tikau e manini e nhoni o toti tai poho manini tikau. Alors, on va faire nos bonnets, nos ignorants, quand on s'approche d'une ruche ou d'une colonie sauvage, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit comme type d'abeille? En très 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 grande majorité, on voit des filles, on voit les ouvrières. Et tau vahi e ite nei i te tau tikau e manini to ato vahi noho ia, e hata tātou e ite. Te nui ia tā tātou e ite o te tau tikau e manini, tau iho i te a tau tikau e manini, tau puihana. Voilà, donc les ouvrières, ça va représenter peut-être 95% de la population. C'est vraiment un matriarcat, hein, les mâles sont très très peu représentés, c'est vraiment une société de filles, un matriarcat. Et to te nei tau tikau e manini, te nui iho i a tau e tau paho e mea a te tau puihana te a tau vehine hana i wa ono ho ma i mai kou te hanere te nui i au tenei tau tikau e manini tau vehine hana uto te puho manini tikau e mea i tio ko te tau tikau e manini vahana te tau toa mea i tiko atoa tika a o i a te nui i a i wa ono ho ma i mai kou te hanere te nui i au te tau tikau e manini puihana i uto te titai poho Alors en fait, ces Fifi, comme j'adore les appeler, parce qu'elles sont toutes douces, ces demoiselles ne vivent pas très longtemps. Elles vivent 3 semaines à l'état de larve, de œuf qui passe à larve, qui passe à nymphe. Au bout de 3 semaines, elles naissent. Ensuite, elles vivent 3 semaines à l'intérieur de la ruche. Puis, elles vivent 3 semaines dehors à butiner. Et elles finissent par mourir. Sous les tropiques, hein. Je dis bien sous les tropiques, parce que en Europe, par exemple, là où il fait frais l'hiver, les abeilles vont hiberner, c'est-à-dire qu'elles vont changer d'alimentation pour pouvoir passer 4 mois à l'intérieur de la ruche sans sortir, à vivre sur les réserves, à faire très peu de mouvements. Ici, c'est pas le cas, il fait toujours assez chaud, assez bon, pour qu'elles puissent vivre à fond, constamment, butiner, et au bout d'un mois et demi de vie sortie de leur état de larve et de nymphe, elles finissent par mourir.
Autant t'en est qu'à tout, et t'en est à tout, et ma nini est pour, et n'est tout, tout, et pour, et ia. Et tata tout, et t'en est à tout, et ma kauta tout, et n'ho, oa à tout, et tout, et ma amane. Atika, ah, ah, oh, et ava poto à tout, et n'ho, ma yot, et ma amane. Atin est à tout. Et mi te ava, ou ha, ma ma i, te a tout, te ava, en a hanao, et tout, à tout, et oa ia. E mahope ho te ia, ia to atu ava noho i e to te to atu po manini kau a koe to to atu ha e e to ata no te noho i oto noho pui oto e ti te tauhana a ta atu i oto e to ata pu e he ato e umihi ti te tomo mona i u kau te ia pua i te ia pua e ti he atua i to atu ma te ia to te ai to ata pu no ke kai e ti o hitatu i te oa i o te pu e i o te ame a ti kau e manini e makau e taime a mame te hope te oa o ko ia. A tika ai o tatu ne o te henua vea vea i ne o tatu i pori ne te ane. A tika ai te henua hao e a oe. A ina oa tu te o te ua me ama e to me ama e ha me ama te oa ia to ato po ia. Alors ces ouvrières, contrairement à d'autres colonies d'insectes comme chez les termites ou les fourmis, où les ouvrières sont spécialisées, il y a des fourmis soldates avec une énorme tête, des grosses mâchoires. Il y a parfois des fourmis citernes qui servent de réservoir, qui boivent du nectar et qui sont une énorme outre, qui servent de stockage d'aliments pour les autres ou d'autres types de fourmis. Ici, chez les abeilles, aucune n'est spécialisée. Ça veut dire qu'elles vont changer de rôle en fonction de leur âge et en fonction des besoins de la colonie et elles vont faire tous les rôles les uns après les autres. Et tout te pour y être te comme mani tout à tout va y nous y a eh ai mi ti to haka tu animara me kori te ato haka tu no te mate kori e nam te tau muto i e nam te tau po i kap tu te kai kai te ato haka tu e o to te mani ti kau e mani ni a o e o ato a e o ato haka tu ha he i pautu te hat katu hana toto ato po e ia e hana ato e oi ato ato hakatu e ai a he tau me mau ha he ia na ato e hana ato i te ia i te ia a o e a vai hana ato i te ia me pau tau i ato i te tahi hakatu pau tau i hakao i te hakatu ati ia ato. Alors je vous propose de suivre la vie d'une ouvrière pour voir un petit peu quels sont les rôles qu'elle va faire. Donc tout d'abord, elle va naître toute seule, hein. C'est-à-dire que la jeune abeille qui est prête à naître va toute seule ouvrir son opercule, le petit couvercle de cire qui ferme l'alvéole dans lequel elle a grandi, avec ses mandibules. Elle va découper dans son opercule. On le voit souvent, hein, quand on visite des ruches, oh, on voit des naissances. Et personne ne va l'aider. Ça fait déjà un certain tri, c'est-à-dire que celles qui sont mal conçues, pas complètes, elles vont pas pouvoir bien naître, et ça va permettre d'assainir un petit peu les naissances pour que seules les abeilles fonctionnelles puissent continuer à vivre dans la colonie. Donc elle va naître seule, apparemment dans l'indifférence du grouillement des autres ouvrières. Et puis dès qu'elle sort de sa cellule, elle commence à travailler. E no te mea e noho atu e toto atu kohi noho ia a e atu e ke ue a tika a maho peo te ia e te atua i te wahi te taime u hanau atu kua kamai atu e tikau e manini e oi a te aha te mea te taio ko te mea te atu po e ia nai ho u hanau e kua kamai atu e tikau e manini u haamata atu i te hana e u hana atu i ta atu hanau hahi i. Alors, le travail pour elle, ça va commencer par faire du nettoyage. Elle va inspecter les cellules qui sont vides, où il y a déjà eu de fraîchement des naissances, et elle va les nettoyer. Elle va évacuer les petits débris, les petites saletés. Ensuite, elle va nourrir les larves les plus âgées. Elle va faire un mélange de pollen et de nectar, ou de miel, plutôt du nectar, donc avant le stade du miel. Et avec cette bouillie larvaire, comme on l'appelle, elle va les nourrir les asticots les plus gros qu'on voit dans le couvain, dans les rayons de l'abeille. Ensuite, des glandes vont se développer sous sa gorge, qui vont produire de la gelée royale, un espèce de lait miraculeux, extrêmement riche. Donc elle va manger beaucoup de pollen pour avoir les protéines pour construire ce lait. Et ce lait extraordinaire, la gelée royale,
va nourrir toutes les jeunes larves pendant leurs 3 premiers jours. Donc, tous les jeunes, 100% des larves mangent de la gelée royale pendant 3 jours, puis ensuite la bouillie larvaire. Et ça va aussi servir à nourrir la reine. C'est la seule nourriture que la reine mange pendant toute sa vie, de sa naissance jusqu'à quelques années après, parce que la reine vit très longtemps. Vedete che tu puoi ottenere il tuo emanio tutto a tuo rinno io. Te ti mata io tu a tua va hana io. Ui ata a tu hana umuana o ai hana te apurpa io te ni tau tu a tuo rinno io o tu te tu a tu ha. Te ni tau vai a te ni tau ua ua ho io te ti ka te mani ti kau e tu te tu a tu ha. E na atu hi opo ae ha mea propa, te mea e propa, ha propa ato. Ia pao te ahana a ha propa ato, e na ato e ha ka i te atau i o i o te kau e manini a vaini o tō tēni vahina ho ia. Te atau mea hua u kaka u o ato, e ha kai ato mti tei me mau pe au ia mea bui, mea hoi. Me hakatu momona te a kana ia atom di te tau hakatu me mea te mi oto mai o te pua ko am te tini tau me mai oto te to atom vahi noho ia e te tai awa e kane atu te a me mau uko ato te a me mau pe uia ni jele royale me mau momona o ko te a me hakai te tau kakaiu i oto te oa ia to ua e te a momona ho i pe uia ni jele royale o ia ate kai kai ate ate pei u mititi mata ia te heto ato mate ia. O ia ate me mau kai kai ate ate pei u, no ke ika ate ate pei u e oa to ato a wawa pue ia e to te ama amane. Ensuite, d'autres glandes vont se développer, là plutôt dans le ventre de l'abeille, dans son abdomen. Et ça se passe quand, pendant les mielées, quand il y a beaucoup de fleurs et que les butineuses ramènent beaucoup de nectar, à ce moment-là, il y a suffisamment d'énergie, de matière pour construire de la cire. Ça demande beaucoup d'énergie pour construire de la cire. Et donc, ces jeunes abeilles vont manger 5 à 12 kilos de miel et 1 kilo de pollen pour construire 1 kilo de cire. Et cette cire va servir à fabriquer les rayons. Ti te tau hakatu e o tō tēnei te kau e mānini. E nam ti te awa, e nam ti te tau hakatu e tupu mai ukao ia. Me ia ho i e nui te mōmona o te pua ka ve ia mai nei o tō te wahino ia. No ke ika, e kaputu atu i tēnei hakatu, e kai atu i tēnei mānini te kau e tā atu e kaputu nei. Oia tā atu kei kei atu ti te tau Alors, il y a d'autres fonctions encore à l'intérieur de la ruche. Certaines abeilles vont étaler de la propolis sur les parois de la ruche. Donc, la propolis, c'est la résine que les ouvrières, les butineuses sont parties chercher sur les bourgeons des arbres. Une petite couche de résine qui protège les futurs rameaux, les futures branches, les futures fleurs des arbres. Et cette résine, à des vertus de protection, ça va servir à éviter le développement des bactéries, à boucher les petits trous, à fixer ce qui bouge. Donc certaines abeilles vont aller étaler cette propolis pour faire un film de protection sanitaire partout, même dans les alvéoles, sur toute la surface interne de la ruche. E kane atu te a me mau e pusi tatatou i te nei me hakau ai te ia ama e tō te hapure o ti te ia tau wahi. A te kaai e tō tēnei heka tupo i au tēnei tau tikau e mānini. Ui a te mea kua kamai i tēnei pusi. A ti ano hoto mea e umaha e tau tikau. Te peux répéter ce que tu viens de dire là? Sur la protection sanitaire, voilà. Que cette résine sert à faire... donc la résine qui protège les bourgeons sur les arbres, les abeilles vont chercher ça, yeah. Et ensuite elle est étalée à l'intérieur de la ruche. E pao na e tene tau te kau e manini, e hano atu e tene tau e pau e avaini u kau te tau tumu a kau e hano atu no te tapi ima oto tene tau e varavara e pau ia nei hui e i ate... Ti kau e manini e kawe atu e tā atu manini kau e. A ko e ātene tau e oi oho i te ia nei, i ato ato moe. E hanu atu e tāpima oto tene tau ua ua,
teni e pau ia ya ko ka mai te tau mate a tapi me te ia to mo ia to mo te vai te ata ho katu e no te paru bu ia hoi teni to atu pu e to teni tia ka mai ni to atu. On aura l'occasion de reparler de la propolis parce que c'est une substance extraordinaire pour nous soigner, pour faire beaucoup de choses avec. Donc pas de panique. Hein. Pour l'instant, on dresse le tableau, mais on va approfondir les choses merveilleuses plus tard. Et quoi qu'il y ait à tout, il y a un peu plus de temps, et pas 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 de temps. Alors une autre mission des abeilles à l'intérieur pendant leurs trois premières semaines, c'est de transporter le nectar depuis les butineuses qui arrivent à l'entrée de la ruche jusqu'aux alvéoles. C'est-à-dire que les butineuses transportent le nectar qu'elles ont bu dans les fleurs dans un jabot, un espèce de d'outre de qu'elles réserve, ont ouais. dans leur œsophage qui permet de stocker ce liquide sucré, le précieux nectar. Et ce jabot va être régurgité dans la bouche d'une deuxième abeille à l'intérieur de la ruche qui elle-même va régurgiter ce nectar dans la bouche d'une troisième abeille. Ça peut faire une dizaine de bouches comme ça jusqu'à ce que le nectar arrive dans une alvéole. Qu'est-ce qui se passe pendant cette série de passages de la bouche d'une abeille au ventre de l'autre ou du ventre d'une abeille à la bouche de l'autre? C'est que le miel va s'enrichir d'une enzyme qu'il y a dans la salive qui va casser les sucres complexes et en même temps ça va participer à assécher le miel, le nectar, qui se transforme en miel. Donc il y a une maturation du miel qui commence dès l'entrée de la ruche. Pehau ite hakatu e kua kamai tene me mau mani ni te kau e hano ho ite ne tau te kau e mani ni tene tau momo nao te pua. Mea a e te kau e mani ni ke te mea hano no te kohi mai tene tau momo nao te pua. Ia tene e atu yo tene hae o te tikau e manini. E tikau e manini ke te mea hanua tu e kohi mai te manini tikau e me o tō te titei manu tai e te amanu i kawe mai te manini tikau e. Ia pau nā titei ati ātu i hana. Wa tō titei mi o tene nā iai kawe mai pau, wa tō titei mi o tene nā iai ka putu, ati ānanu te tehe ia o tene manini te kau e toto atou vahi kaputu ia. Ui a te hakatu o tēnei tau mea. Mi o titahi o titahi o titahi te atua e to te to atu vahi kaputu ia. A tika a nā me te tūmu. Te avevini ia. No te mea, ia te mai tēnei te kau e manini me tēnei mōmuna o te pua. Ia tomo i to te kōpua o titahi te kau e manini. E nā me te hakatu e ko aka mai me haa taki o ti te tau me mau pē mi o tō tēnei mea mōmuna o te pua. Me haa taitai e tō tēnei hakatu mo i tēnei tau me mau i a ko aka mai tēnā te tau me mau hau hoi o tō. No keika, ia tihe atu tēnei manini te kau e o tōtō ato vahi kāpatu ia. O taitai tēnei manini te kau e. Enfin, un dernier rôle avant de commencer à s'intéresser à l'extérieur, ça va être d'évacuer les déchets. Les abeilles vont ramasser tous les débris qui sont tombés, la vieille cire, des abeilles qui sont mortes, que sais-je, et elles vont sortir pour jeter ça dehors devant la ruche. Et ensuite, elles passent sur la planche d'envol, au bout de trois semaines, l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. E titei hekatu, e te uhi atu ha hawa ia he tau kau kau me mau e a vaini o tōtō atu vahinoho ia. E kuhi atu i te atau kau kau e me te kawe atu e tiu ai waho e mo i titei tau me mau e haa tonake i te tenei vahinoho ia tō atu. Donc là, les abeilles vont avoir deux rôles principaux. Donc là, si vous voulez, ce sont les abeilles que l'on voit à l'entrée des ruches. Qu'on va observer, on va se poser à côté d'une ruche, que ce soit naturelle ou domestique. Hein. On va voir des abeilles qui s'envolent, qui reviennent, qui s'envolent, qui reviennent. Et on va voir des abeilles qui ne s'envolent pas. Et là, elles ont deux rôles. Certaines sont ventileuses, elles sont bien campées, bien accrochées sur leurs pattes, la tête vers l'entrée de la ruche, et elles vrombissent des ailes, tellement vite qu'on ne voit pas leurs ailes, et elles font un flux d'air qui va de l'intérieur vers l'extérieur de la ruche pour évacuer
l'excès de chaleur ou l'excès d'humidité. Et autant te varine ho ya tau ti kau emani ni e iteni tau te tau katu ti kau emani ni e ona pau ho mai watau e ona watau e nam taipito a e ato e ono na hopu ato e oto te ni varine ho ia a ti ka ata ato hana e hana e te taha ihi i iteni tau to ato varine ho ia e mea taki te a me taki le ave a mi oto a koe a me hapu hau hau e to te ni pahin ho ia to ato o ia te hakatu hana te ni tau ti kau e mani ni e vai ato tahihi i e te to ato pahin ho ia. Donc bien sûr, ça va dépendre des conditions. Hein. S'il fait très chaud, il y aura beaucoup de ventileuses. S'il y a eu des pluies avant ou s'il y a eu beaucoup de miel à rentrer, elles auront beaucoup d'humidité à évacuer. Et dans ce cas-là, on aura des ventileuses partout sur la planche d'envol et même sur la façade de la ruche pour faire tout un flux. Et quand on met sa main devant, on sent ce courant d'air. C'est assez agréable, c'est rigolo. Hey. Tēnei tau katu a tātou e tēnei mitmea hātata e katātou ni tēnei tau kuhumānini. E ite te hoa tātou e tēnei tau tikau e mānini e nhonei i te awaha e te mea veawe au i te tātou mea kena. Mea nui tēnei tau tikau e mānini e vaere tahi ihi i oto tēnei vahinoho ia. E mi te mea e awaua te atou katu a o e vae atou. E taki te a hakatu pe oho i e umidite a mea tohea mi oto tene i e vahinoho i au ato ui ati hakatu tene i taumani ki kau. Alors qu'il fasse sec ou humide, qu'il y ait des ventueuses ou pas, dans tous les cas on trouve des gardiennes. Donc les gardiennes, elles se promènent sur la planche d'envol et dès que l'abeille arrive, hop, elles vont aller voir, les deux pattes en l'air, les antennes dressées, et elles vont aller la sentir. Si elle sent comme les autres, si elle a l'odeur de la colonie, qui est transmise par l'odeur de la reine, c'est bon, tu peux rentrer. Si c'est une abeille qui vient de l'extérieur, oula, elle se fait inspecter de partout, elle se fait sentir, donc soit elle repart, ou soit elle va donner du nectar pour se faire accepter, et elle va pouvoir rentrer dans la colonie, même si elle n'en vient pas. Donc voilà, le rôle des gardiennes, c'est de filtrer pour que seules des abeilles de la colonie ou des abeilles gentilles qui viennent offrir leur miel puissent rentrer. Et dans le type de tautico emani tatato e itene e pa uiho ite a tautico emani tau itiaki tau tiaki toto ato ha e no ia no te mea e tatu e tomo pui to tene e puho mani ni e mao toto tatu ma kau pu e te kau ne iau do tautico emani ni e e no te mea hi opo ai a tātou, te mea e poike tātou e tihe mai o tō tenei pūho, e tiohi mati o ka ia o e te mea e hau no o tenei pūho, a koe a no tātou tenei poi, e apu ia o e te mea o e tioa ia e waho te mea o e. Me te mea e kawe mai tenei tikau e mani ki tahi mōmuna pua no te tuhai o tō tenei o tō tēnei pōmānini, a e ao ia o e tomo a te kaa e tomo o e a e ti huhaka o aiva, o e a te kata. Donc pendant cette phase d'interface sur la planche en vol entre l'intérieur et l'extérieur, les butineuses, enfin non, les futures butineuses, elles ne sont pas encore butineuses, pardon, hein, les ouvrières vont commencer à faire des vols de plus en plus loin, des vols en ligne droite, dans toutes les directions autour de la ruche, jusqu'à 3 km, et en fait, elles se font leur cartographie. Elles se font une carte des zones aux alentours, pour savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce que, comment ça se passe, c'est où, c'est quoi, ah, il y a la mer, ah, il y a des arbres, ah, il y a des maisons, ah, il y a les montagnes, ah, il y a les rivières. Et petit à petit, elles se préparent à leur dernière mission, qui va durer 3 semaines, qui va être le butinage. E na ato, e to ta ato ti mata ia e he i waho. E na ato anho i oto tini tai tiha. E no te ti ohi peha to ato he i waho ati ia. Ia pauna i ha ti mata to ato ona e ona ato a e no te e hano i tomo muna pua. Ko e a, e hano ato e ti ohi e te hakatu o te henua. E ha tene tau hakatu, peha te hakatu te henua, peha to atu e he e te iawahi te iawahi. E ia pauna e te atu a ka iau atu i te ahenua, a te atu a he e maho peo he hanu
e qui tu mo na pu ano te kame mai o to te te tiapo te tiamani. Donc voilà nos butineuses enrichies de tout ce parcours qui commence à aller chercher le nectar des fleurs. Donc certaines abeilles les plus vieilles qui deviennent exploratrices vont trouver des nouvelles fleurs, vont transmettre le message aux autres, aller par là, tel angle, telle direction par rapport au soleil, telle distance, goûter le nectar, voilà, vous avez trouvé à l'odeur, aller là-bas, il y a des fleurs, les abeilles vont suivre le mouvement, vont trouver, vont elles-mêmes transmettre le message, et vont changer de butinage en fonction de l'évolution des fleurs dans la nature. Et donc pendant ces 3 semaines, les abeilles vont faire des allers-retours entre les 3 kilomètres de rayon, entre les fleurs et l'intérieur, pour amener le nectar, le précieux nectar qui va se transformer en miel, le pollen, la poudre riche en protéines, parfois juste de l'eau pour rafraîchir, et parfois de la propolis. Et tout est dit, il y a pas eu un tenu tautico et manini y est renouato et cui, et te mon monote pour te attaquer. Oi ate ua ia e tou atapu. E tou atapu tō atu hanu ia e kui te amomuna pua ka mai e tō te pahinoho ia e tō te tiha. A ti ato atu hakatu, ti atu i te awai hoa ua poto atu a. E oi ato atu hakatu, he atu he e mai e oi ate te hakatu. Bon, voilà, je me rends compte, je suis très bavard et que on n'aura pas le temps d'aborder les faux bourdons et la reine, ça sera pour une prochaine fois. Mais c'est bien parce qu'on a abordé beaucoup de choses sur la vie de la colonie à travers la vie d'une ouvrière. Et je pense que c'est bien pour... Ah oui, alors peut-être on va finir la vie de ces ouvrières. Après 3 semaines de butinage intense, elles finissent, donc les abeilles les plus expérimentées, comme des exploratrices, c'est-à-dire qui vont guider les autres. Et puis un jour, les ailes abîmées, elles vont finir par tomber quelque part et mourir loin de la ruche, mangées par les fourmis, elles ont fini leur rôle. Et tout le temps, il y a pu y avoir des tautiko et manini. Et il te avait hoa et il te a tout pu y avoir ata atu hana. No te haka ite ia ite hipito, ia ati te te vahi me te pua, ia te vahi me te momuna pua, ia ata atu hukatu hana. Et il te ite ite hiava, ite tatu, ite hitawawa. Ti te tautikau e manini, ua kore o ti te heipuke he, ua topai he epo, e avate au e te tātou, u te heito ato a hope. Voilà. Je voulais, avant de clore cette émission, je voulais juste dire un mot sur un événement qu'il y a eu la semaine dernière. Il y a eu la création d'une association pour le soin, la protection des animaux sur Nukuiva. Donc on s'est retrouvé à 12 de personnes pour créer l'association. 6 personnes motivées se sont engagées pour faire tourner l'association. Donc c'est une très bonne nouvelle, ça va permettre de faire des campagnes de stérilisation pour faire baisser le coût des opérations, que ça soit accessible pour tout le monde, pour qu'il y ait moins de chiens et de chiennes non désirés. Et toi, tu te kao taia koho ane kaite no te mea uha atu puia ti teipi i ka no te patuko ia i te tau e nā na e mta atu animara mehe pēto, mehe pōtu e koho ane i atu e pate he mo iho i hana ho ka ua e nā tene pi i ka ua tupu tene i e ua toen ho te ahana i tene pi i ka. Voilà, donc l'association s'appelle Nukuriva Animala et Longviael. Nukuhiva animara longue vie à cette association. Longue vie. Oui, à tes comptes ni pika. Nukuhiva animara longue vie. Tante, donc voilà, comme tu disais, pawaiya et kapohani, il porte à moi tout le côté pou et yahoui. Tene tau tika o e manini, e nam te hakatu tika o e manini he kaua en hune o tō tene po manini, a tika a tene avai mua nei, ma wai te kaua no te apau tene tumutika. Merci Edouard, kotau nui. Merci Ludo. Au plaisir. Au plaisir.